tout va pour le mieux. Passeur d'amour, il me disait, oh, j'ai retrouvé une musique qui date de 2000, j'ai retrouvé une musique qui date de 2007. Même pendant l'écriture, il me disait qu'en fait, il allait refaire un album, que c'était pas prévu et que du coup, il était surpris de la façon dont ça arrivait, quoi. Casser le rythme des jours sans couleur, apaiser d'un sourire les battements de mon cœur. Lancer au ciel. J'ai un peu l'impression que ça a toujours été là en lui. Petit à petit, ça a émergé. J'ai pas un souvenir d'un jour où il m'a dit Kat, j'ai ça en tête. Peut-être que c'est apparu progressivement en lui. Je voulais juste écouter, si c'est possible, le deuxième refrain, le deuxième couplet pour moi. La nuit frissonne, pardonne. C'est un moment clé qu'il a fait une espèce de... qu'il a rassemblé un peu tout ce qu'il avait fait, les rencontres aussi. Et du coup, que ça va être comme un mini feu d'artifice, mais très apaisé. Et qui pour moi est tout à fait lié avec ce qui s'est passé avant. Je l'entends rire, elle m'inspire. J'ai l'impression que tout ce qui a eu lieu avant nourrit ce qui va se passer maintenant. Et je trouve ça plutôt très organique, quoi. Et comment ? Dans un grenier ou dans une bouteille. T'as un espèce de... On reconnaît bien la musique de Bruno, on reconnaît bien son univers, mais avec une évolution. C'est un peu comme s'il y avait quelqu'un qui était venu lui souffler autre chose ou lui faire découvrir un autre univers, lui dire, allez, vas-y, tu peux oser aller par là, tu peux essayer autre chose, tu peux t'aventurer dans des styles musicaux dans lesquels d'habitude tu vas pas... Il y a les thèmes qui sont chers au cœur de Bruno. Enfin, l'amour, c'est vraiment l'énorme bulle principale dans laquelle il évolue, et tant mieux. Et oui, la tendresse, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Il donne envie de voyager, cet album. Il est forcément plein d'amour, quoi, plein de lumière. On est dans le rêveur ancré, quoi. C'est un sourire, les battements. Mais ouvert sur plein de choses, quoi. C'est vraiment Bruno, c'est vraiment quelqu'un qui a l'esprit complètement ouvert, connecté à la fois. Et j'ai l'impression aussi, parce qu'il y a eu le confinement et tout ça, la volonté de faire ça avec plein d'autres gens. Je crois qu'il y aura beaucoup plus de monde dessus, parce qu'il y a les cuivres. Impec, vous écoutez ? Il y a plein d'invités, il y a plein de choses. Donc il y a plein de surprises, hein. C'est rien n'est impossible, tout se fait, quoi. Dans l'intention, je le trouve beaucoup plus professionnel et abouti, c'est-à-dire les autres aussi, parce qu'on a bien bossé dessus aussi, mais là, il y a eu un souci de mettre des tas d'instruments, d'avoir un arrangeur. Quand ce projet d'album-là a commencé à germer dans sa tête, et il m'a envoyé une petite maquette qu'il avait fait lui pour me demander de l'arranger. J'ai travaillé un peu à la maison, j'ai proposé un arrangement et puis il semble que ça lui a beaucoup plu. Et donc il m'a envoyé d'autres et d'autres et d'autres et puis voilà, l'album s'est fait comme ça. Et le résultat, bon, quand on l'écoute après, quand on enregistre, il y a, c'est vraiment bien, quoi. Tu as dit très vite, Bruno, pour moi, les autres albums, c'était les fleurs et là, c'est le fruit. Je respire, je respire. Ah, je peux en faire une. Il y a tellement de choses un peu violentes dans le monde dans lequel on évolue. Lui, il est vraiment totalement à contre-courant et tant mieux. Puis je pense qu'en plus, il y a de plus en plus de gens qui vont avoir besoin de ça. Ça fait du bien à tout le monde, ça fait du bien de le faire. Juste quelqu'un. Et ça va faire du bien à recevoir. Ça, c'est une certitude.